Lui, je sens qu'il va en découdre avec moi, les gars. Il va en découdre. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une magnifique 330D sur la chaîne. Et j'ai le frérot, il est juste à côté de moi. On va vous la présenter. Comment ça va? Ça va, enchanté. Ça va et toi? Ça va, tranquille. Hein. Bon. Alors, le frérot, il nous a ramené la magnifique série 3. Donc, c'est une E92. C'est ça, E92 coupé. Voilà, 330D. C'est un 4 roues motrices. Ah, c'est un X-Drive du coup? Ouais, j'ai pris un X-Drive, ouais. Ah ouais, elles sont rares en X-Drive alors. Ouais, moi j'ai pris ça parce que c'est vrai que je vais à la montagne, donc on va dire qu'en propulsion, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et puis je vois que t'as un siège auto, t'as un enfant, donc... C'est ça. Petite 5 ans, donc on fait attention. On va faire attention, ouais. En tout cas, elle est magnifique. Elle est quelle année, tu me disais? 2010. 2010, ouais. Elle est 2010, encore, elle est au goût du jour, hein, franchement. Ouais, 2010, elle est propre. Bon, après, j'ai refait une peinture dessus. Ouais. Parce qu'il y avait quelques rayures, donc du coup... D'accord, ouais. J'ai refait une petite peinture. Dirait, elle est toute neuve. Pour la mettre propre. Et là, elle est full stock, du coup. Full stock. Et c'est un Pakem d'origine. Pakem d'origine. D'accord, donc là, on a les jantes en 18 pouces. C'est ça. Elles sont magnifiques. Les jantes de la E92, hein, qui sont d'origine au véhicule. On va filmer la face avant. Avec la calandre que j'ai modifiée, du coup, parce qu'elle a été chromée. Ouais, t'as changé les haricots, t'as mis en noir, ouais. Double haricot et puis en noir. T'as changé tes feux parce qu'ils sont tous là, fondus. Ah, les feux, non, ils sont d'origine. Ouais. Après, moi, le feu de droite, j'ai l'impression qu'il a été changé parce que. Ouais, celui-là, ouais, parce que lui, il a un peu des petites rayures, ouais. Mais sinon, non, il est full origine. D'accord, ouais. Après, en attente de. Peut-être un stagin. Un petit stagin, parce que d'origine, ça développe. Elle fait 245. Ah, c'est pas la version 231? C'est pas 231. Parce que c'est la sur les phases 1, c'est la phase 2. Ah, t'es en phase 2 du coup. C'est ça, LCI. Donc du coup, 245 chevaux. Comme vous voyez, les gars, elle est vraiment magnifique. Il y a le toit ouvrant, elle est full option. Hein. Full option, ouais, si on veut. Après, je connais pas toutes les options de celle-ci en fait, parce qu'avant, j'avais un grand coupé en série 4. Ouais. Et c'est vrai que la série 3, je connais pas trop les options qu'il y a dessus. J'ai quoi? J'ai le son Hi-Fi avec les caissons sous les sièges. Harman Kardon, non? Alors pas Harman Kardon par contre. Ouais, c'est le son Hi-Fi. C'est le son Hi-Fi en option, parce qu'il y a les caissons dessous. D'accord. Du coup, il y a des bonnes basses. Sinon, elle a quoi? Bah, toit ouvrant, feu xénon. Ouais. T'as les Angel Ace d'origine? Ouais, c'est ça. J'ai pris la boîte Mika par contre. Après, on va voir là. Ah, si on dit. Oh, on les voit un petit peu. Bon, les gars, vous en faites pas, ça clignote à la caméra, c'est tout à fait normal. Mais là, en vrai de vrai, ils sont bien fixes et là, c'est stylé. Et t'as pas le petit feu? Ah bah si, j'avais... Ouais, le petit feu de... Orange, ouais, US. Orange, ouais, c'est ça. C'est d'origine aussi? C'est d'origine. C'est d'origine. Sur celle-ci, est d'origine, ouais. Sur les E60, là, les séries 5, ça fait magnifique. Hein. Ouais, ça fait vraiment classe, ouais. En tout cas, elle est vraiment belle. Donc, comme on peut voir, le petit répétiteur latéral teinté. T'as changé? Alors, ou ça, j'ai pas changé. Quand j'ai acheté, c'était comme ça, donc je pense que ça a été changé. Ouais, il est, je pense qu'il est d'origine, mais genre teinté, enfin ils l'ont changé avec une. Enfin, il est teinté quoi. Donc là, on peut voir tout le chrome, peut-être un déchromage bientôt. Sûrement un déchromage. Déchromage, vite teinté, à voir peut-être pour mettre des ressorts courts. Ouais, pour la rabaisser un petit peu. Soit la rabaisser en ressort court, ou peut-être pas mettre des ressorts et mettre du 19, je sais pas. À voir. Là, on est en 18 pouces, à voir. À réfléchir. Ouais. Je sais pas ce qui va être le mieux. Merde que toi. Là, je sais pas quoi faire. Ouais. Alors les gars, là franchement, il m'a posé une colle parce que même moi, je regarde les jantes, je les aime vraiment bien. Et du coup, c'est soit il la rabaisse, soit tu changes les jantes. Vous aurez fait quoi? Je sais pas quoi. J'aimerais bien savoir. Ouais, bonne question. Parce que là, du coup, elle s'accorde bien avec la voiture. Tu vois, elles sont d'origine. En plus, j'adore la couleur. Peut-être abaisser. Ouais, à voir. Oui, ça coûte moins cher. Bah, ouais, je sais pas. Un kit de 4 ressorts, peut-être 200 balles. Ouais. Après, si je mets des ressorts, peut-être en combiné fileté. Ouais, comme ça tu peux les régler. C'est ouais. Ça, donc du coup, en termes de tarif, je sais pas ce qui va être le plus cher. Ouais. Parce que d'un côté, je me dis, si vraiment tu mets 19, ça coûte plus cher. Est-ce que vraiment elle sera aussi basse que maintenant? Et en plus de ça,
Bah faut trouver la bonne paire qui te va quoi. Au niveau du rendu, je sais pas. Ouais. En sachant que je me tâte aussi à soit repeindre des jantes en noir. Ah non, tu laisses le couleur. On laisse en origine. Ouais. Alors on laisse en origine. Je sais pas, moi avant j'adorais le full black et maintenant j'adore les couleurs qui tapent à l'œil. Ouais, je sais pas si t'as vu. Aussi, ouais. Sur mon avis, j'ai refait les jantes, j'aime pas la couleur. Ah, j'ai pas vu. Elles sont. Ouais, je les ai fait refaites, mais la couleur elle est un peu plus sombre. Et moi maintenant j'aime bien que tu vois, ça fait des jantes. Bon, gris clair, ouais, que ça tape à l'œil. Ah, sinon il y avait gris anthracite, mais bon. Non, non, faut... c'est d'origine. Ouais. Soit tu laisses comme ça. Soit on rabaisse, soit on met du 19 et on change. Bon, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait. Alors là, on va voir l'arrière. Magnifique, avec la petite antenne requin. Donc les deux pots, hein, pour dire que c'est. Le DD, le mazout. Voilà, le 330D ou le 325. T'es en 6 cylindres, hein, du moi, coup. Moi, je suis en 6 cylindres, ouais. Voilà, le 6 cylindres, il est sorti à partir du 325. C'est ça. Donc on peut voir les petits radars de recul, le bas de caisse de la PAKEM. T'as mis les petites plaques noires. Ouais, alors petit autocollant, hein, AliExpress, on connaît. Ouais, bah t'as bien fait, hein, comme ça si t'as un souci, t'as juste à les retirer. C'est ça. Alors toi, t'es réunionnais ? Martinique. Martinique, alors force aux Martiniquais. Hein. Je sais que vous êtes chaud, là, vous, ouais, dans votre pays. Hein. Faites des runs et tout. Hein. Là, ça rigole pas, il faut plus attention aux voitures qu'aux maisons. Ouais. Là, je la prends en 3/4 du coup. Ah, elle est vraiment belle. Hein. Écoute, on va aller regarder le moteur, frérot. Allez, je vais t'ouvrir le capot. Alors franchement, on t'en prend vraiment soin. T'es méticuleux parce qu'elle est vraiment, vraiment propre. Ouais, je la trouve vraiment belle, hein, comme ça, de la face avant, t'as bien fait de mettre les haricots en noir. Ouais, ça change tout. Franchement, la face chromée... Non, mais là, en noir devant... Putain, mais voilà. Il est neuf ton moteur, elle a combien de bornes? Ouais, elle a 548 000, hein. Putain, elle est vraiment propre, hein. Mais ça va, c'est propre. Magnifique 6 cylindres. Tu t'es fait un plaisir dedans ou pas encore? Ah, rien, j'ai rien touché. T'as rien touché. Là, je me tâte pareil, changer le filtre à air... Bah, quand tu feras peut-être le stage 1, ouais, tu feras, ouais, pas c'est la ça. Suite, ouais. Mais en tout cas, elle est vraiment propre, hein. Franchement, belle caisse. Bah, je vais voir le coffre, héros. Allez. Il marche ton tour, hein. Il marche, il fonctionne. Tu l'as pas mis en mode wheeling. Il fonctionne bien. Tu l'as pas mis en mode wheeling pour, ouais, le style. Ah non, j'ai laissé comme ça. Un coffre magnifique, bien propre. Putain, ça me rappelle le coffre de Sandra. Avec ta BM. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai vu. Elle a la Golf aussi. La Golf, R32. Ouais. Ces voitures, elles étaient. Elles sont magnifiques. Ça, ouais. Ouais, elles sont magnifiques. Et ça me fait penser à son coffre de sa BM. Il était tout clean comme toi. On essaye de laisser propre. C'est quoi là-dedans, du coup, Steven? Bon, c'est la boîte d'ampoule d'origine, tu vois. D'accord, ouais, stylé, hein. Franchement, elle est vraiment... Elle est classe. Elle est saine, la voiture. Elle est saine, je te remercie. Elle est vraiment au goût du jour. En plus, tu m'as dit version LCI, hein. Ouais, donc avec les feux restylés à LED. C'est ça. Ouais, elle est vraiment belle. Bon, on va voir l'intérieur, hein. Vas-y. Hop, je te laisse regarder. Alors, ça commence bien. Les petites vitres comme les câbles, t'as pas le contour. C'est t'as ça, pas de contour, ça c'est très bien. Légèrement teinté, la teinte d'origine. Ouais, d'origine. Ouais. Ouais, ouais. Ah, mais t'es en full cuir blanc. En full cuir. Alors beige. Beige, j'aurais dit blanc. Alors les gars, je suis myope ou. Ah, il est beige, il est beige. Putain, ça fait blanc. Dans la caméra, ouais, ça fait beige, mais je sais pas, il fait blanc. Putain, ça fait magnifique. Hein. Les petits tapis M, performance, ça. Seuil de port M, volant M. Ah non, mais t'en prends vraiment soin. Hein. Ça fait combien de temps tu l'as? Ça fait. Bon, ça doit faire 6 mois. Vraiment propre, hein. Et tu voulais absolument ça ou... Ouais, 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 j'étais vraiment fan de celle-ci. Et t'avais quoi avant? Avant j'avais un série 4 bon coupé. D'accord. Elle est vraiment belle, un petit pédalier, franchement, t'as une voiture, elle est vraiment propre. Je te remercie. Je m'attendais pas à ça. Hein. On essaie de l'entretenir. Je sais pas si mon frérot Aurélien, tu vois la vidéo, la 335 qu'on a filmée, elle était pas aussi propre la tienne. Hein. Toi, t'es tout enculé ta voiture. Non mais mon pote, lui, c'est un bon pote à moi, lui il achète, il revend... On a filmé sa caisse, pour ceux qui se rappellent, une 335D, mais celle-ci, elle est classe, elle est vraiment belle. D'ailleurs, j'ai acheté le petit, la petite teinture là, pour refaire les cuirs propres. Ouais. Je sais pas si tu les avais pas fait toi sur la 8. Color Look, le 6. Ouais, ouais, c'est ouais. Ça. Et ben là, du coup, je les ai achetés pour cela. Ouais, fais gaffe, fais-le pas en plein soleil, gros. Ouais, je vais faire à l'ombre au garage. À l'ombre, au frais, fais-le tranquille, prends ton temps. Moi, j'ai un peu fait à l'arrache, parce que dans ma vidéo, on voit pas le avant, le après. Après, peut-être qu'ils étaient propres mes sièges de base, mais où je l'ai peut-être mal fait, mais. Mais sinon, leur site, il est vraiment ouais, il est bien. Ouais, ouais, t'inquiète pas. J'ai pris la couleur d'origine ouais, BM. Comme ça, tu vas les nettoyer, ça, les nourrir. Bien, ouais. Alors, si mon papa voit la vidéo, lui, à l'époque, il mettait du lait. Du lait pour bébé. Voilà, lait pour bébé ouais, et Nivea. Le Nivea. Dans sa 330D PAKEM 1. On avait une PAKEM 1, nous. 330D, ça venait de sortir les E46. Je sais pas elles sont pas mal aussi. Ouais. Toutes elles noires, sont jolies. Fortes, elles cotent. Hein. Ah, elles cotent. Elles cotent maintenant. Hein. Ouais. Bah écoute, frérot, on va faire un petit essai routier. Allez, est-ce qu'on peut écouter le petit bruit? Mazout, mais si tu veux. Le petit bruit d'origine, histoire d'avoir un petit plan dans la vidéo. Hein.
Ah, le beau Sicilien, les gars. Le petit ronronnement du six-cylindres, ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Ah, ça vaut tout le six-cylindres. Ah ouais, non, c'est pas au 4 cylindres, ça n'a rien à voir. Ça sert à quoi ça, les deux petits machins là? Eh ben, c'est une bonne question. Ouais. J'ai aucune idée. Ah, t'aurais les vite teintées, je te l'aurais pas dit, mais là, vu qu'il n'y a pas la vue. Aucune idée. Ouais. Donc, une petite option en plus sur la voiture. Ouais. Mais petits... non, franchement, elle est vraiment propre. Hein. Ils avaient pas les petits détails, genre ça. Ouais, ça c'est cool, je l'ai dans pour mon tenir la petite malle, ça va bien. Ah, c'est vraiment. En dessous, c'est des produits, hein, tu connais. Hein. Ouais, donc, le frérot, hein, il entretient ses voitures, comme il entretient son corps, regardez comme il est balèze. Tu sors de la salle là? Oh non! T'as fait des pompes avant de venir? Rien! On est en repos aujourd'hui. Costaud. On est en repos. Putain, lui, je sens qu'il va en découdre avec moi, les gars. Il va en découdre. Là, la testostérone, elle est montée, frérot. Il est chaud patate. Le Martiniquais, il est chaud patate. Bon, allez, on va faire un petit essai routier. J'espère qu'il va pas me tuer. En plus, il fait chaud aujourd'hui. Les nerfs, ils sont montés, là. Bon, bah, les gars, on se retrouve à l'intérieur de la magnifique 330D. Et je pense qu'on va même fermer le toit. Ouais, parce qu'on va avoir un peu chaud, là. Ouais, et t'as la trappe? Ouais. Si tu peux la fermer, tu sais, comme ça, on n'a pas le... Hop. La lumière dans la caméra. Bah les gars, déjà, la première installation, comme d'habitude, on est bien. Hein. C'est une bonne voiture, ça consomme ou pas trop? Bah quand t'as plus dedans, ça consomme. Ouais. Après, on est à quoi? 8 litres. À peu près 8-9 litres en ville. D'accord. Et puis si tu roules tranquille, périph', autoroute. Ouais, là on ira à droite. T'es à 7 litres, 6 litres 5 à peu près. D'accord. Ça reste correct. Et là, depuis 6 mois que tu l'as, t'as pas eu de soucis, tu es rien. Satisfait, ouais. Rien du tout. Après, là, c'est pareil, faut que je trouve un garage fiable. Donc, si vous avez un garage sur Lyon qui est pro BM, bah, IMAX Auto. Et bah, écoute, non, un petit check-up du moteur. Tu peux aller chez IMAX Auto sans souci. Hein, si Nico il voit la vidéo, hein, je te ramène un client. Hein. Avec plaisir. Je sais pas si t'as vu avec eux, je travaille beaucoup, on fait des vidéos ensemble. Yes. Ils me laissent des voitures, je les présente. Je sais pas si t'as fait attention. J'ai fait attention. Ils sont à Saint-Maurice-de-Bénon. Peut-être faire un tour alors. Donc quoi, tu peux lui aller, tu vas check-up de ma part. Du moteur, vérifier les durées. Ouais, tout ce ils te font diagoto, ils te la mettent sur le pont, ils vérifient. Voilà. Ça marche. Et sinon, bah on est bien. Hein. Franchement, il y a de la place quand même. Toi, t'as qu'un enfant, tu m'as dit. Ouais, un enfant. Ouais. Bon, après, ouais, je trouve que c'est assez bon par rapport à la série 4 grand coupé. On ira à gauche. Tu feras gaffe à cette intersection, elle est dangereuse un peu. Eux, ils ont un stop. Et il faut que tu leur cèdes à droite qui arrive en fait. Ouais, je suis prioritaire. Moi. Voilà, t'es prioritaire par rapport à lui, ouais, mais pas par rapport. Ouais. Voilà, mais vas-y, c'est bon. Et du coup, t'es tout le temps en 4 roues motrices alors? Ouais, ouais, malheureusement, on peut pas. Ça peut pas enlever, ouais. Ah, ça marche, hein. Oh. Ouais, elle est déjà assez nerveuse hein, d'origine. Hein. Ouais, c'est pour ça, je me dis, avec la petite reprog stage 1. Ouais, ouais, ça va envoyer, parce que ces moteurs-là, ils sont réputés pour marcher. Hein. Moi, je t'ai dit, hein. Mon 330D, la E46 que j'avais avant, une grise, enfin on avait la noire avec mes parents, mais la grise que j'avais moi, elle avait le feu au cul gros. Et ouais. J'avais que 184 d'origine. Ouais, ça marchait déjà bien. Un mariage ouais, enfin, non, c'est sûr que. On filme un peu la route. Hein. 245, ouais, ça va bien. Après, en reproc, tu prends 300, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Tu vas autant marcher que la 4 Mazou, là que j'ai, la bleue. Hein. Ouais. Elle marche déjà fort. En plus, t'es en boîte manuelle, donc tu te fais plus plaisir. C'est ça. En boîte auto. Après, pareil, tu prends 600 Nm. Donc ça va bien. Ah ouais, le coup, alors les diesel. Par contre, effectivement, je suis bien. Je serais bien. Tenté par. Passer par le gars qui a pris la tienne. Là, parce qu'au niveau du bruit, elle fait un bruit dans ma zoute là. Non, mais c'est, sur le V6, ça, c'est un truc de malade. Alors sur le 6 cylindres, ça fera pas exactement un bruit d'essence, mais tu auras un souffle beaucoup plus fort. D'accord. Tu tapes Sound 330D sur YouTube, tu vas avoir des bruits similaires. Et ça, tu fais comment pour. Enfin, pour... Bah, en gros, tu mets un full tube. Ok. Tu vois ta ligne d'échappement, tu l'enlèves et c'est l'inox. D'accord. Et, en plus, je sais pas si t'as la version avec le FAP, la tienne. Ouais, je crois qu'elle est FAPée. Hein. Ouais, donc là, tu seras obligé de défaper. À vérifier, mais je crois électroniquement, donc dans la reprog, et après, bah. Faudra la défaper mécaniquement, c'est-à-dire mettre le tube, quoi. En tout cas, on est vachement bien. Après, le siège de cuir, je trouve qu'il est vachement plus agréable que le paquet en tissu Alcantara. Là.
Ouais. C'est ce que j'avais dans le grand coupé et pff, c'était plus tel cul quand même. Je trouve que le cuir il absorbe mieux et du coup on est vachement plus confort. Vachement agréable. Et t'as fait de l'autoroute depuis que tu es là, t'as fait ouais, 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 je suis, ouais, j'étais allé la chercher à Paris donc du coup. Mais sur l'autoroute ça va tout seul. Et toi t'es pro BM? Ah, pff, moi je suis compliqué. Ouais. J'aime beaucoup Audi et j'aime beaucoup BM. D'accord. Y a que Mercedes que j'ai jamais testé. Tiens, on va aller à gauche là. Ouais. C'est vrai que... Je sais pas si tu connais ici, non, cette ville, on est vers le stade de l'OL. D'accord, ok. Mais ouais, je suis Audi BM. Audi BM. J'ai une A4. Allemand. Ouais. Martiniquais, il est allemand. Ouais, pro-allemand. Les gars, alors comme vous voyez, on n'a pas le même décor, pas la même route que d'habitude. Alors le frérot, il avait un contre-temps, moi j'ai un contre-temps. Alors ce qu'on a fait, on s'est rejoint au point le plus près de lui où moi on était. Donc voilà, mais on va essayer de lui trouver un bon petit chemin qui pourra tartiner un peu sans prendre de risques et sans qu'il y ait trop de monde. Mais déjà tout à l'heure, la petite Axel, ça marchait déjà bien. Hein. Ouais, puis le bruit, il est magique, hein, tu sais, quand tu démarres. Dès que tu passes les 2000 tours. Elle marche sa mère. Hein. T'es sûr, elle est pas carton là? Ah rien. Elle marche fort. Hein. Franchement, ça marche déjà bien. Hein. C'est très nerveux, c'est très coupleux les diesel. Préparé à voir, là, je me tâte à. Le petit rétro comme ça, ils sont jolis. Ah, j'ai commandé les coques M3. Ouais, pas avec le petit retour là. Ouais, du coup, ça va être encore plus sympa esthétiquement. Mais franchement, il est vraiment clean. Vraiment, vraiment. Tu me rappelles Sandra qui était venue avec sa BM, je te jure. Elle était propre sa BM ouais. Aussi. Hein. Non, bah là à droite. Elle était très très propre sa BM. Et tu prendras le virage à gauche. Et du coup, on est juste derrière le stade d'entraînement de l'OL. Je sais pas si t'es footeux, pas trop. Moi, je suis sans suivre. Moi, c'est sans pas, plus. À voilà, part quand il y a la Coupe du Monde, moi, ouais, plus, voilà, c'est ça. Je suis plus sport de combat ou muscule, voilà, tu vois. Les sports d'hommes. Plus comme... moto, si j'aime bien. Ouais, les motos. T'as une bécane? J'avais. T'avais quoi? Hop. J'ai tout eu. J'ai eu des sportives, Kawasaki Ninja, ouais. Roadster, Street Triple. Et puis la dernière, c'était rien à voir. Street Triple, elles sont beaucoup volées. La dernière, c'était Harley Breakout. Ça marche, fais gaffe, il y a un virage. Ah, ça marche. Hein. Je pense que tu vas bien t'amuser là en prog. Ah, ça marche bien, bien, bien. Ah, c'est sympa, franchement. 300 chevaux, je pense que ça peut. Tiens, en feu, on ira à droite. Attention, le dodan. Ouais. Ah, tu vas te faire un plaisir. En plus, tu vas gagner en consommation si tu roules pépère. Mais vu que tu t'as le pied lourd, tu vas rien gagner. Ah, je roule tranquille de temps en temps. Quand même. À droite, au fond, on ira. Mais franchement, non, elle est chouette. On respecte toujours la mécanique. Tu m'as dit, elle a combien de bornes? Elle a 148 000. Ouais. Tu l'as payé cher? Après, t'es pas obligé de dire. Non, bah t'inquiète, moi je l'ai acheté 15. Elle avait 145. D'accord. C'est correct. Hein. 2010 en plus. Et tu comptes la garder ou t'es quelqu'un qui revend assez facilement? Ça, c'est pareil, ça dépend. C'est moi et mes envies. Des fois, je peux craquer au bout de 3 mois, 4 mois, et puis je la revends, je passe à autre chose. Et puis des fois, au coup de cœur, je vais la garder un an, deux ans. D'accord. C'est vrai que c'est rare. Quand je la garde plus d'un an, en vrai, c'est rare. Mais celle-ci, c'est vrai que c'est un petit coup de cœur. La M3, j'aime beaucoup, mais du coup, en termes d'entretien, de délit pour tous les jours, c'est trop compliqué. Et puis le budget aussi, là, c'est ouais, cher. Ouais, budget, ouais. Donc du coup, je me suis 330D, après, peut-être un 335i, je sais pas. Ouais, tu vas te faire plaisir. Par contre, les turbos, faut les vérifier, ceux-là. Ouais, mais c'est ça, après. C'est avec celle-ci, je sais que c'est... Enfin, les 335, elles sont, mal réputées sur les turbos, les wastegate, je sais pas quoi. Il y en a deux, en plus, il me semble. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait. Ils rajoutent des turbos, maintenant, pour que ce soit plus puissant, mais c'est vrai que c'est fragile. Tu connais ici? Ah, ici je connais pas. Je connais le coin, parce que du coup. Attention. La connasse. Elle s'est imposée. Ah, on est au stade de l'OL. Hein. Voilà, comme ça tu l'auras inauguré avec moi. Tenez les gars, on vous fait profiter de la vue. Groupama Stadium. Groupama Stadium. Voilà, il y a des hôtels, il y a le musée de l'OL. Il y a que des conneries. Hein. Puis ils nous font chier quand il y a les matchs, la route elle est bloquée, là, on va aller tout droit. Après le Dodan, tu pourras tirer une grande ligne droite. Et... Puis on va rentrer tranquillement sur nos pas. Ça marche. Ouais, ça marche. Elle pousse. Hein. Ouais, il est chaud le frérot. Il est la tête de ma mère. Attention le Dodan. Il y a un Dodan là-bas. Je sais pas si tu reconnais l'endroit. C'est là où j'avais fait écouter le bruit de la A4 là. Quand j'avais mis la ligne dans la vidéo. Ah, enfin, attention, il est où le Dodan?
mais ça va, elle n'est pas rabaissée encore. Ça va. Tant qu'elle va être rabaissée. Il n'y a pas de lame, il n'y a pas de rabassage, ça va. Ah, ça marche fort, hein, franchement. Et c'est vrai que le bruit du 6 cylindres pour un mazout, c'est propre. Bah moi, le jour où j'ai acheté ma 330D, j'avais hâte parce que ça me rappelait des souvenirs, celles de mes parents. En fait, c'est surtout le bruit au démarrage. Tu sais, le... Ouais. Là, c'est un bruit sourd. Là, tu vas prendre le rond-point et on va monter en haut. Okay. Ah, le bruit sourd, là. Et j'ai failli mettre la ligne, au final, je l'ai jamais fait. Si, j'ai fait un truc, je l'ai décatalysé. Ok. Ah bah, tiens, c'est ça que je voulais dire. Fais un stage 1 et décatalyse là. Tu mets juste un downpipe, ça s'appelle. Ouais. Ça vaut 200 balles sur... Là, on va à droite. T'as coupé la route. Tu peux. Là, on va aller à droite. Attention. Ah, c'est dangereux ici. C'est un peu dangereux, ça, ma ville. Ça accroche bien, putain, elle accroche. Hein. Ah, 4 roues motrices, par contre, c'est vrai que ça bouge pas. Là, une propulsion, tu la niques en 330 propulsion. Ah, bah, tu pars en, tu pars en tête à queue direct. Ouais, là, franchement, elle tient bien, ça fait penser à la A4. Et ouais, je te disais, le downpipe, en fait, ça décatalyse la voiture, donc dans les gaz, ils arrivent plus vite après le turbo. Et franchement, comment elle arrachait. Et le bruit, il avait légèrement changé, parce que t'avais un souffle plus fort. Ok. Là, on va tout droit. Donc à tester, ouais, à voir. À voir. Ouais, beaucoup de choses à faire en fait en projet, tu vois. Ah ouais. Donc si je la garde, bah, on va essayer de faire un peu tout ça. Et quelle heure, 4h40. Ouais. On est dans les temps. Bon, on est bien. On arrive dans 10 minutes. 4h40. Je vais bientôt couper, comme ça on pourra discuter tranquille. Parce que là les gars, franchement, c'est vraiment la course, que ça soit lui ou que ça soit moi. Donc on a rien oublié, mon frérot. Bah, écoute, tu penses qu'on a tout dit sur la voiture. On a fait le tour, hein. Voilà. La voiture, extérieur, intérieur. On a parlé des options, la GPS, le GPS. Ciel de toit noir. Ouais. Et même les lumières derrière. Ouais. Par contre, pareil, faut que je la passe en full LED. Ouais. Parce que là, on est en éclairage d'origine. D'accord. Et ben, si tu veux, j'ai un partenaire qui s'appelle France Xénon. Ouais. Voilà, qui sont quasiment les numéro 1 sur Internet. Tu tapes LED Xénon, ça va être eux dans les premiers. Ils sont basés à Saint-Etienne. Et ils sont rapides, ils t'envoient. J'ai pris le kit chez eux, moi, pour la A3. Ok. Voilà. Donc, ah bah, à voir. T'hésites pas. Je commandais toujours chez LED Perf. Ouais, je les connais aussi. Bah. Ouais, j'irai faire un tour. France Xénon, tu compares les prix, ça t'intéresse. Tout droit, ouais. Toujours tout drôle. Qu'est-ce que je voulais dire? T'as des réseaux sociaux, si quelqu'un ouais. veut te suivre. Alors, pour le coup, alors là, il y en a un, il est tout récent, donc pour le coup, il n'y aura pas beaucoup d'abonnés, hein, ouais. donc n'hésitez pas. Mais du coup, c'est Steven. Tiré du bas 3.0 92. D'accord. Et t'as une dédicace à faire à quelqu'un à tout droit là. Non, bah écoute. Mis à part à toi. Bah, merci frérot. Merci de ton passage. Sois la bienvenue sur la chaîne. Voilà, le frérot me disait qu'il m'a connu sur les vidéos d'Akram. Du coup, il s'est abonné. Donc, ça fait plaisir. Et puis là, on disait avant qu'on filme, hâte qu'on aille présenter la A4 du coup. Ouais. Et tonton il répond pas, tonton j'ai envoyé un SMS, tonton j'ai envoyé des mails, tonton il est très pris. Tonton il m'a bloqué, tonton. Non mais il doit être pris et puis voilà, hein, si ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. Et puis voilà. Donc pas dédicace. Ouais écoute, une dédicace à mon frérot quand même. À ton frérot, à ma famille. Hein, à ta famille, ma femme, ouais, Martinique. Et le petit Bouchou qui verra la vidéo et qui la verra encore plus tard et encore plus tard. Là mon papa, il est en vidéo. Bah, ça fait vraiment plaisir, en tout cas je te remercie d'être venu. On va aller merci à toi. Bah, c'était bien sympa. Avec grand plaisir. On se reverra sûrement. Avec la prochaine, n'hésite pas à me contacter. Et puis moi j'étais content de te rencontrer. Et bah pareillement. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, allez voir son compte et donnez-lui de la force. Mettez un commentaire, dites ce que vous aurez fait sur la préparation du véhicule, stage, rabaissement, etc. Moi personnellement, au final, j'aurais mis des combinés filetés. Comme ça, je peux régler la hauteur à ma sauce. Et si vraiment, dans le pire des cas, les jantes me saoulent, je les change plus tard et je garde celle-là pour mettre en pneu neige. C'est aussi pas mal. Pas con. Et en plus, ça coûte moins cher de commencer par le combiné filtre. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Bon, mon frérot, à bientôt. À bientôt, merci. Et les gars, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Ciao.